un pour l'équipe Real Madrid là, un pour l'équipe Atlético Madrid là, dans Santiago Bernabéu, Real qui raté opportunité pour te prendre 4 points sur l'équipe Girona qui lui-même te fait 0-0 contre l'équipe Real Sociedad là. Atlético Madrid dans saison 2023-2024 là joue 4 matchs avec l'équipe Real Madrid là, 2 défaites pour l'équipe Real Madrid là. D'ailleurs, c'est 2 seules défaites Real Madrid qu'on est saison ça. C'est Atlético Madrid qui bat Lille, il y a une défaite pour Atlético Madrid et un match nul. Match nul ça, c'est dans Santiago Bernabéu hein, dans 23e journée championnat ça. 11 de départ Real Madrid, si nous prenons 11 de départ là, c'était yon charnière centrale que Ancelotti t'a expérimenté, parce que pas bien Rudiger. Non, charnière centrale ça, à cause problème de blessure, nous déjà connaît pas bien Alaba, pas bien Eden Militao. C'était Nacho ak Caval qui était dans charnière centrale là. Sur côté droite là, c'était Lucas Vazquez. Côté gauche là, c'était Mendy. Milieu de terrain, Chouameni, Pala, Kamavinga, dans le milieu de terrain, Toni Kroos, Bellingham et puis Federico Valverde. Vinicius à l'échauffement t'es gagné problème, il pas joué match football ça. Brahim Diaz t'es remplacé, Brahim Diaz t'es bon côté Rodrigo. Pour l'équipe Atlético Madrid là, Savic, Witsel, Hermoso, Llorente demi latéral droite, demi latéral gauche, Rodrigo Riquelme, mi-temps terrain gagné deux pôles Koke et puis tonton ça qui est le Saúl Ñíguez, Griezmann, Morata, nous connaissons le keeper et c'est Oblak. Pour Real Madrid, c'est Lounine. N'a pas dit que début match ça, c'était équipe Real Madrid là qui était affiché volonté pour être capable et gagner match football ça. 5 premières minutes, c'est ton 5 premières minutes équipe Real Madrid là qui était possession ballon hein, qui a le prêt équipe Atlético Madrid là très haut. Atlético Madrid qui a pas mal de difficultés pour te sortir tête dans 5 premières minutes ça. D'ailleurs, Real Madrid te en fait un tir cadré avec Brahim Diaz. Atlético Madrid qui a sorti tête à la 8e minute de jeu avec une passe de Antoine Griezmann, son bel appel en profondeur de Alvaro Morata, frappe de Alvaro Morata, arrêt de Lounine, c'était première grosse occasion de l'équipe Atlético Madrid là. Nous avons joué 8e minute de jeu. Real Madrid qui a concrétisé domination par ouverture score ça à la 20e minute de jeu avec deux coups favorables pour l'équipe Real Madrid. D'abord Brahim Diaz qui a joué pour Jude Bellingham, ballon rencontré dans pied un joueur équipe Atlético Madrid là, ballon vient jouer tonton ça qui lui-même relé Vasquez, ballon rencontré dans pied un joueur équipe Atlético Madrid là qui s'est coqué et bien contre la favorable avec Brahim Diaz qui mettait ballon dans camp face à face avec Oblak, le mettait ballon dans camp, c'était un goal à 0. Le ça nous avons joué 20e minute de jeu. Équipe Atlético Madrid était passé tout près pour être égalisé avec équipe Real Madrid là à la 23e minute de jeu avec un très bon centre de la part de demi latéral gauche équipe Atlético Madrid dans Rodrigo Riquelme, un superbe coup de tête de Witsel et un gros arrêt de la part de Lounine qui lui-même voyait ballon encore né un bel arrêt. Lounine qui joue un très bon match, on va parler de ça tout à l'heure, et bien un bel arrêt de Lounine qui empêchait l'équipe Real Madrid de prendre un goal à la 23e minute de jeu. Qu'on est pour l'équipe Atlético Madrid là du Antoine Griezmann, un coup de tête de Savic qui passait légèrement à côté. Donc Atlético Madrid était capable de faire goal contre l'équipe Real Madrid là 23e minute de jeu. 32e minute de jeu, équipe Real Madrid là t'es capable de faire 2-0 avec une interception de Lucas Vazquez, accélération, lui fait frappe dans le premier poteau, hein, ballon à aller dehors, c'était quand même une autre occasion pour l'équipe Real Madrid, 32e minute de jeu. Et puis, Atlético Madrid, il y a un centre de Marcos Llorente sous côté droite, là, il y a très beaucoup de tête. Pas qu'à dire très bon, parce que c'était très bon, faut le cadrer. Le coup de tête de Saúl Ñíguez, Saúl Ñíguez pratiquement pour contre lui, parce que pas de joueur équipe Real Madrid là, qui était sous lui. Coup de tête là, t'es trop croisé. Le samedi, je 36e minute de jeu. Et Real Madrid, t'es toujours amené 1-0 sous équipe et Atlético Madrid là. Première période de fini et 1-0 dans avantage Real Madrid, avec Real Madrid en deux période ça, qui était beaucoup plus de maîtrise par rapport avec l'équipe Atlético Madrid là, avec Eduardo Camavinga qui était excellent en la première période ça, et tellement c'était une équipe collective dans tout sens du terme. À la 44e minute de jeu, il y a une superbe intervention défensive de la part de Rodrigo qui fait sous Hermoso à la suite de un centre
Emoso gagne ballon, Rodrigo sous contrôle là, monsieur, mauvais contrôle, mais quand même Rodrigo en position de défenseur pour la retirer ballon, pour retirer ballon dans zone dangereuse là, c'était quand même une équipe Real Madrid collective. Première période là, Real Madrid finit avec 56% possession de balle contre l'équipe Atlético Madrid, mais 1-0, c'est vrai, équipe Atlético Madrid là, par moment, t'es dérangé Real Madrid, t'es quand même gagné plusieurs bonnes occasions, balé de coup de tête Saúl Ñíguez là, qui a les 2e ou 36e minute de jeu, balé de frappe Morata 8e minute de jeu sous passe de Antoine Griezmann, balé de arrêt ça de Lounine sous coup de tête de Witsel 23e minute de jeu, Atlético Madrid t'es joué une occasion, mais équipe Real Madrid là t'es mené 1-0, Real Madrid t'es beaucoup plus de maîtrise, t'es beaucoup plus de matière pour équipe Real Madrid là, en dans première période ça. En dans deuxième période là, Bonheur, équipe Atlético Madrid a pensé que le fait ça plus difficile là, qui s'est égalisé contre l'équipe Real Madrid là, avec le corner de Antoine Griezmann, le coup de tête de Savic, qui rentrait en de camp. Nous stoppons ça, n'a pas photo. Eh bien, qui s'est gagné? Ballon entre en de camp, c'est goal. Le ballon entre en de camp, de la logique, c'est goal lié. Mais quand il a ça fait volant annuler goal ça. C'est parce que, soit action ça gagné Saúl Ñíguez qui fait action de jeu et il était en position avancée. Le fait que lui fait action de jeu, c'est pas lui-même qui fait coup de tête là, mais lui fait action de jeu, eh bien voilà, à regarder que joueur là lui empêcher gardien arriver sous ballon. Même là, t'es quand même gagné peu de chance parce que son coup de tête croisé, t'es quand même gagné peu de chance pour Lounine te jouer ballon. Mais Kounye là, règlement c'est règlement, on pas capable de changer règlement parce que c'est ça lié. Et bien Saúl Ñíguez qui fait le jeu, c'était quand même position avancée. Action ça, li un petit peu rappelé, match Barcelone face équipe Villarreal là que Barcelone perdu, nous songer gagner Moreno qui fait gol côté équipe Barcelone non, mais va avec arbitre là annuler gol ça parce que gagner attaquant équipe Villarreal là qui c'est Solot qui te fait de jeu action de jeu côté que lui empêcher honnête Ronaldo Araújo river sous attaquant qui gagne ballon. Eh bien le fait que ou fait action de jeu c'est au jeu, c'était quand même un bon jugement de la part de Volant qui annulait gol ça. Le ça nous avons joué 48e minute de jeu le match de ça. 54e minute de jeu, il y a une superbe frappe de Toni Kroos, arrêt de goalkeeper équipe Atlético Madrid là qui c'est Yann Oblak qui empêchait ballon lui-même rentrer en dedans. Real Madrid 66e minute de jeu, t'es capable de faire 2-0. Moi, quoi que c'est une action mal orchestrée de la part de l'équipe Real Madrid là. Pour qui ça, un compte favorable, bien emmené par Tonton Sarah qui lui-même les Federico Valverde. Federico Valverde jouait sous Brahim Diaz. Monsieur Bagay, nul droit pour jouer sous Brahim Diaz. Parce que le gars de dans le champ visuel là, joue équipe. On dit pour Rodrigo, pas pour Brahim Diaz. Dans le champ visuel là, il y a deux joueurs équipe Atlético Madrid qui pratiquement focalisé un porteur de balle là avec une joueur qui fait appel là sur côté droite là, qui c'est Rodrigo. Monsieur doué tergiversé, monsieur doué voué ballon sur côté gauche là pour Jude Bellingham qui était pratiquement pour contre lui leur comparé nombre de joueurs qui étaient gagnés sur côté droite, là, que c'est côté, y'en a qui t'a confié des coups à verre, lui-même, lui jouer pour Uruguay, il était supposé faire, sous côté gauche, là, qui t'a favorable avec Jude Bellingham, qui t'a fait frappe croisée du pied gauche. C'était quand même une action, t'es très mal orchestrée pour l'équipe Real Madrid, là. Le ça, nous t'avons joué 66e minute de jeu, le match de bol, ça. Qui ça, équipe Atlético Madrid, lui-même, dit fait? Premier là, Real Madrid t'es dominé Atlético Madrid, Real Madrid t'es contrôle ballon, même l'homme dit Atlético Madrid t'es capable de faire goal en dans première période là. Deuxième période là, qui ça, y'en a que t'as considéré ou de lui-même l'y fait en deuxième période ça. Gemolina qui rentre dans place et Riquelme. Lino rentre dans place à Saúl Ñíguez. C'est une habitude pour Simeone fait et modèle changement ça a eu. Là, l'homme dit Molina rentre dans place à Riquelme à 46e minute de jeu.
et l'autre Lino qui rentre dans la salle Niguez, c'est 61e minute de jeu. Morata sorti, Memphis Depay lui-même est rentré 61e minute de jeu. Gagne De Paul qui sorti, Barrios rentré 61e minute de jeu. Donc c'est quand même une équipe Atlético Madrid qui a fait des changements dans l'objectif pour le tal derrière goal égalisation contre l'équipe Real Madrid là. Mais l'équipe Real Madrid ça en dans deuxième période là jusqu'avant le premier goal là, mais c'était quand même une équipe Real Madrid qui était gagné beaucoup plus de contrôle en dans match football ça, qui était capable même faire 2-0 hein. D'ailleurs, à la 70e minute de jeu, gagnon action solitaire de la part de Brahim Diaz qui fait un petit pont sous Hermoso qui fait fête qui tout ouvrit angle de tir là sous Axel Witsel, frappe aller dehors, c'était quand même une très grosse occasion pour équipe Real Madrid là, le ça nous avons joué 70e minute de jeu dans match de football ça. Mais gagner équipe Atlético Madrid là 77e minute de jeu qui était capable d'égaliser avec un perte de balle de la part de Mendy et Angel Correa qui prend ballon qui accélère qui fait centre là pour Antoine Griezmann. Griezmann fait un rabat majeur, un lob arrêt spectaculaire de la part du gardien équipe Real Madrid dans l'Union qui joue un très bon match, qui empêchait Real Madrid lui-même de prendre un goal dans le match football ça. Le ça, nous avons joué 77e minute de jeu. Qu'est-ce que Ancelotti lui-même lui fait? Ancelotti retire Brahim Diaz qui rentre avec Ocelo. Lui retire Rodrigo qui rentre avec Luka Modric. Et par la suite, il vient retirer Ceballos, il vient retirer Bellingham, il rentre avec Dani Ceballos. Et puis, Atlético Madrid, quelques minutes après, alors que tout le monde pensait que ça finit, 4 minutes de temps additionnel, l'équipe Real Madrid lance plus en question de temps. Pour l'équipe Real Madrid, lui-même, il bat ça 1-0. Et c'est là, à la chute d'une déviation de la tête de Memphis Depay, gagné ni Nacho, ni Cafaral, arrivé sous ballon, il y a plus attentif et il y a un télé même qui a attaqué ballon avec tête li un à un le centre en temps additionnel. Sous goal ça, il est clair que Chamier central Real Madrid là, c'est là oui, gon bagarre qui manquait. Ça veut dire arrivé que Rudiger t'es là Real Madrid prend goal ça. Mais moi non une situation confortable. Pour me dire que si vous dites que tu es là, tu es capable de prendre l'autre issue sur action ça. Sur action ça, c'est naïveté, Nacho, surtout et Dani Carvajal, on dit Nacho, surtout et Dani Carvajal, qui pas attaqué ballon. Défense équipe Real Madrid fait back. Pendant attaquant équipe, la position attaquant, qui c'est Yorente, automatiquement vinn gagner un changement côté moins dit Saul Niguez lui-même li sorti li nou rentré moins dit Molina rentré gagner tonton ça qui lui-même relé Rodrigo Riquelme sorti Marco Sorrente vinn en position de milieu de terrain et c'est un joueur qui pratiquement en mouvement sur tout front attaque équipe Atlético Madrid dans son joueur comme ça c'est changement Simeone et bien l'on connecte comme Marco Sorrente vinn pratiquement électron libre tantôt li comme milieu de terrain tantôt li demi latéral tantôt li milieu excentré et li là il était en position de 9 li attaquer ballon pendant joueur Real Madrid a fait back m'a parlé de Nacho avec Caval 1 à 1 90 plus 3, Real Madrid lui-même li prend goal. Match football l'an fini comme ça. Côté Real Madrid mené 1-0. Real Madrid te joué plusieurs moments pour être capable de faire 2-0 en sac pas arrivé fait. Et équipe Atlético Madrid l'an, une équipe orgueilleuse, une équipe qui va jamais décourager, arrivé faire goal ça par tonton ça qui lui-même relie Marcos Llorente à la suite d'une déviation de la tête de Memphis Depay. 1 à 1, Real Madrid qui rate opportunité pour te prendre 4 points sur l'équipe football ça qui c'est l'équipe Girona parce que Girona fait nul contre l'équipe Sociedad là Real Madrid lui-même lui fait nul le 10 quand gagne Real Madrid qui a joué contre l'équipe Girona Real Madrid a reçu voir équipe Girona avec possibilité pour l'équipe Real Madrid lui-même lui prend 6 points sur l'équipe Girona en cas de victoire avec possibilité tout pour Girona lui-même lui retourner prendre tête classement en cas de victoire contre l'équipe Real Madrid là, parce que s'il fait nul contre Real Madrid a quand même gagné avantage 1, 2 points sous lui, 2 confrontations directes, Real Madrid a devant équipe Girona. Quand on est là, on nous prend le match en soi.
Match ça, c'est un match côté que li entre frustration et bien sorti. Le match de entre frustration, son match que Real Madrid sorti frustré, parce que normalement Real Madrid dominait Atlético Madrid. Real Madrid était un match là en main. Contre Atlético Madrid, il prend un goal dans temps additionnel. Pendant que tu joues des occasions pour te faire 2-0, je parle de l'action Brahim Jaslan, je parle de l'action mal orchestrée de la part de Federico Valverde et à la 66e minute du jeu. Ça, c'est frustration parce que Real a un match en main. Mais quand on est là, on est capable de dire en quelque sorte Real Madrid sous-prend résultat en soi, il n'est pas dérangeant. Oui, il y aura des opportunités pour te prendre 4 points. Ça, c'est frustration, mais le résultat pas dérangeant. Il aurait été leader avec 2 points sur l'équipe Girona. Mais quand il est là, sous prend joueur qui n'est pas disponible pour l'équipe Real Madrid, pas de Rudiger, pas de Rudiger, pas de Tchouaméni, pas de Vinicius. Là, ou bien 3-4 dans des secteurs clés. Vinicius en attaque, Tchouaméni dans le milieu de terrain, et puis tonton ça, qui est même relé Rudiger qui est dans la chaîne centrale. Donc, je dis, entre frustration, et on sentiment que nous pas pimo ouvert passer ça au regard de indisponibilité joueur Real Madrid, c'est bon pour club blanc qui était leader, il toujours gagne 2 points sur l'équipe Girona. Qu'on est là orbite central match football. Moi même une pigo qualité que me gagne comme monde qui parle football, la décision c'est pour réallier pendant son mauvaise décision, moi vin là, moi baye position pam. Je pas tenir compte du commentaire parce que normalement, moi clair avec l'idée. Commentaire très souvent, c'est frustration fanatique qui au même me dérange et puis au fond commentaire. Mais moi, j'étais dans la logique, ça me croya, ça me voya, ça moi qui juste là. Pas dans la logique pour me tromper de mauvaise foi, côté que c'est mauvaise foi même, même plus dans la logique de bonne foi, c'est parce que je crois un bagaille qui fait me dire. Ça va dire valable pour Barcelone, il est valable pour Real Madrid. Le Serial en équipe qui a fait tort contre Real Madrid, je viens de dire ça. Il est valable pour Barcelone, le fait Barcelone tort tout, je dis ça. Le fait Real Madrid tort tout, je dis ça. Sinon, pour un match, ça, je crois que je vais expliquer fait de jeu, ça, on n'y là, même le. Goalkeeper a coupe tête là, pas de garantie si ça ou n'y pas là, que l'ounine pas ta prend goal là, mais fait a, c'est que monsieur est en position avancée, il fait des jeux. Mais quand il y a là, il y a 2 actions, on est capable même prendre 3. C'est penalty pour Real Madrid. Va avec l'arbitre central là, va et l'arbitre là, moi jugez que tu as gagné mauvais jugement. Gagner 2 actions. D'abord, Younes Vázquez, ça c'est bon pénalité, côté que joueur lui-même n'est pas joué ballon. Gagner un croche-pied qui fait sur Lucas Vázquez, c'est pénalité ça y est. Parce que ça qui est important dans le football, ça qui est important dans le football, qui le gagne foot. Qui le gagne foot. Pas gagne foot, le gagne un contact régulier. Contact régulier, gagne contact avec vous, mais moi jouer le ballon, moi jouer ballon. En vent. Le premier bagage, c'est en vent. Parce que si je joue corps, en vent, je joue ballon, c'est faute lié. Si je joue ballon, en vent, je joue corps, dans ce pas de réparation, je ne vais pas faire pénalité. C'est la logique. 56e minute de jeu, c'était faute sous Vázquez. Parce que gagner croche-pied dans ce pas de réparation, jouer Atlético Madrid, pas jouer ballon, c'est pénalité. Gagner un deuxième pénalité pour Real Madrid. Quelques minutes après, yon appel de balle de Jude Bellingham, Savic, pas joué ballon, il paraît te bon volonté manifeste pour te pousser jouer dans le dos. On bousculable. Sous un joueur football, quand on pas de ballon, c'est pénalité lié. On te quoi pour troisième? Marcos Llorente, qui
désintéressé avec ballon, il désintéressé pour jouer ballon, il plus intéressé avec Jude Bellingham, une troisième lot action. Monsieur empêché Jude Bellingham arriver à tête sur ballon. Moi crois que dans trois actions ça yo, tu es supposé gagner une pour Pimiti que vol avec arbitre central là, tu dois regarder, analyser pour une décision qui t'est sortie. Et pas ta supposé que l'autre décision pour t'est sortie parce que dans la logique de bugué contact irrégulier en dans sur l'observation c'est pénalité. Une ou deux sur Jude Bellingham. Et puis une sur Lucas Vasquez, c'est pénalité pour l'équipe Real Madrid. C'est même gens, l'homme t'a parlé de Almeria contre l'équipe Real Madrid, l'homme t'a pas position sur le match Real Madrid d'Almeria, c'est même gens tout. Moi, je crois que l'orbite centrale là, t'es lésé Real Madrid parce que Real Madrid t'es quand même joint pour Pipiti deux pénalités parce que t'es gagné deux contacts pour Pipiti irréguliers en national de réparation. Une sur Lucas Vasquez avec un coche-pied. L'autre là, sur Jude Bellingham, côté Savic, pousser monsieur Nando, un contact irrégulier. Ça, maintenant, en bit là. Combien là? Lounine montre clair que gagne en pile qualité la Kali comme goalkeeper. Les gars, pile travail pour le faire toujours parce que son jeune garçon, son joueur de moins de 25 ans pratiquement. Un jeune garçon, il est quand même dans pile bagaille pour l'apprendre. Surtout, il n'a pas de statut de numéro 1. Mais expérience, grand monde, c'est dans tête, il est un coup d'âme, basket, coup musique, ça, maintenant, même, expérience, grand monde, c'est dans tête, lié. Mais avec le temps, nous finissons pas d'accord, Lounine, c'est un gardien qui gagne pile qualité. Par exemple, monsieur fait 3 arrêts spectaculaires. Ce n'est pas des arrêts faciles. 8e minute de jeu. Passe de Griezmann pour Alvaro Morata. Frappe, ils font arrêt, ils sont couchés pour le faire arrêt. 23e minute de jeu. Centre de Rodrigo Riquelme. Coup de tête de Witzel. Il fait arrêt spectaculaire. T'as qu'on pieuvre. T'as qu'on plaqué. Il retire danger. 77e minute de jeu. Sauvetage ça, il fait à la chute d'un Rabamadjir de Antoine Griezmann. C'est 3 arrêts spectaculaires de la part de Lounine qui jouent très bon match pour l'équipe Real Madrid. Brahim Diaz qui finit meilleur joueur match là. Brahim Diaz c'est le genre de personnalité que moi j'aime, raison simple parce que en plus de talent, le potentiel, il nous connaît ça déjà. Mais c'est un joueur qui, normalement, si tant que Obadien, il est là, il fait goal là, il était proposé, même le dernier parti terrain, quand même, de gagner pas un moment de déchets, qui était capable de permettre que, à travers de très bonnes décisions, que l'équipe Real Madrid lui-même aggrave le score là, mais c'est lui-même qui fait goal là, joue un bon match, il finit meilleur joueur match, alors que ce n'est pas lui-même de la logique qui a commencé pour l'équipe Real Madrid là. Kamavinga jusqu'à dernier instant dans match football là, Kamavinga a un très bon match pour Real Madrid. Je pas croire que changement Modric là était quand même porté fruit pour club madrilène là. Changement ça pas porté fruit. Et puis moi je jugeais que l'équipe Atlético Madrid ça est capable d'une équipe très coriace. Pour Real Madrid à l'avenir. Pourquoi ça m'a dit pour Real Madrid à l'avenir? Parce que pas gagné d'ici Real Madrid qualifié pour quart de finale Ligue des Champions, pas gagné d'ici Atlético Madrid qualifié pour quart de finale Ligue des Champions, que Real Madrid pas croisé avec Atlético. Pas gagné d'ici ça. Moi, je jugeais que l'équipe s'est progressé, tactiquement, techniquement. Yo, quand même rentré dans la logique pour pas toujours attentif comme équipe. Le ou gen ballon, yo pas quand même ridicule, m'a parlé de l'équipe Atlético Madrid là, et nous ouais ça, pendant toute saison, yo joué contre l'équipe Real Madrid là, et yo pi bien sorti contre Real que Real Madrid saison ça. Parce que normalement, yo joue 4 matchs, 2 seules défaites que Real Madrid connaît, c'est Atlético Madrid qui bat Lille. Moi, j'ai une progression technique pour l'équipe Atlético Madrid là, saison 2023-2024 là, équipe là progressé sérieusement. Et si nous prenons match là en soi, sur ça que je gagne devant l'ordinateur,
c'est 55-45. Atlético Madrid fait 6 tirs cadrés, ça veut dire c'est quand même son équipe qui t'est proposé une très bonne chose dans le match de football. Oui, l'équipe Real Madrid là, t'es capable après 1-0 à aggraver ce score là, mais il est capable de dire tout, en dans même première période là, pendant Real Madrid ouvre le score, Lounine fait deux parades spectaculaires et gagne Savic avec Niguez qui t'es quand même sous deux coups de tête. C'est capable de faire gol. Là, on a parlé pour l'équipe Atlético Madrid, qui c'est quand même une équipe qui proposait de très bonnes choses contre l'équipe Real Madrid de la saison, ça, qui proposait de très bonnes choses techniquement, saison ça tout court contre l'adversaire Lyon. Donc, c'est une équipe qui est capable de courir pour l'équipe Real Madrid de la saison 2023-2024, là, en cas où il a retourné, croisé encore, surtout dans la Ligue des Champions, parce que Real Madrid a qualifié pour quart de finale, il va là pour Atlético Madrid, a qualifié pour quart de finale, la Ligue des Champions. Real Madrid fait 1-1 contre l'équipe Atlético Madrid. Real Madrid toujours été leader après le match nul. Ça. Weekend qui vient là, il va jouer contre l'équipe Girona avec possibilité pour Real Madrid lui-même lui prendre 5 points sous Girona, avec possibilité pour Girona lui-même lui retourner prendre le classement championnat d'Espagne. Donc c'est ça qui gagne dans le championnat avec 23e journée qui débouchait par match nul. Deux meilleures équipes qui gagnent le football espagnol la saison, ça, Real Madrid, et puis équipe Girona. Tap, tap, sin. Voilà, je vais faire mon examen en Haïti par un bagage qui est difficile. C'est route pour un nid facile. Ou téléchargez l'application sur Google Play Store ou bien App Store, ou éligible pour vous l'argent, bah, il faut moi examen en Haïti. Famille ou bien examen en Haïti, on doit gagner un compte, mon cash qui est logique. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, ou même quand vous voulez l'argent, bah, il faut moi examen en Haïti, doit gagner. Doué qui ça? Doué gagner 4 débits. Et l'autre bagage qui est très important, utilisez promo code moyen pour supporter. Mais l'autre utilisez promo code moyen tout pour recevoir $10 sur première transaction. C'est tap tap sen. L'automobile, téléchargez l'application d'automobile sur Google Play Store pour capable placer par sportif. Par simple, par multiple, par combo. Et puis l'autofoot qui se mariage bolette avec your match football. Et une touch assurance. Ou même quand vous venez dans l'état de l'année pour le souhait par all in donc t'as bien remarqué vous accenté. Par l'autre, c'est une touch assurance. 407-704-47-43. Sumfort TV, peu importe côté dans le monde, il suffit qu'on ait un bon signal internet. Vous pouvez mettre l'application sur laptop, ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre ou dans le salon. Relevez Wilby dans le numéro 912-436-0222. Vous pouvez mettre l'application pour gagner plus de 10 000 chaînes pour enjoy match football. Et puis, WAB Fontaine Immigration Service. WAB Fontaine Immigration Service, c'est Betty Fontaine. Betty Fontaine, c'est spécialiste en immigration. Tout ça qui a rapport avec immigration, c'est Betty Fontaine. Asile politique, TPS, résidence, fil taxou, c'est Betty Fontaine. Compagnie basée du côté de Fort Lauderdale, Betty Fontaine qui peut se passer 20 années d'expérience. Relais Betty Fontaine pour gérer, Betty Fontaine pour gérer taxou. 754-740-4399. Et puis, John Neely Service. Ou même, Cap Vive États-Unis. Qui t'a bien remé ranger crédit ou qui dégaille. Pas de l'autre compagnie pour contacter pour ranger crédit ou peu importe state où y est États-Unis, peu importe ville où y est États-Unis, y a aidé au ranger crédit ou. Et compagnie qui a aidé au ranger crédit ou, l'irrelé John Neely Service. Le numéro ça, 561-639-1387 ou bien visiter le website John Neely dans www.johnneely.com.